Coffee Break French Season 3 Episode 22. Salut tout le monde et bienvenue à Coffee Break French. Welcome once again to Coffee Break French. Now, if you've been keeping track of world sporting events, then you'll know that this weekend in Monaco, the Formula One Motor Racing Grand Prix took place. And as you know, our friend Veronica. Was invited to a party that would be taking place in Monaco at the weekend. We're going to hear all about this party in this week's lesson. Alors, est-ce que vous êtes prêts? Allez, c'est parti! As usual, we're going to begin the episode by listening to Veronica's text in its entirety. After that, we'll go through the text. And help you understand the language used by picking up on one or two of the grammar points included in the text. If you'd like a line-by-line -line analysis of the text, then you can use our extended version, and you can find out more about how to access this version at coffeebreakfrench.com. At the end of the show, we'll tell you a little more about what you can get from our extended version and the other members' materials. Okay, let's listen to Veronica's text now. Oh la 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 la. Quel week-end J'ai passé une superbe journée chez Gabrielle et Gilles, son mari. Les gens qu'elle avait invités à la fête étaient intéressants et je suis revenue avec une grosse liste de contacts utiles. C'était dommage que nous n'ayons pas pu nous entendre très bien à cause du bruit des voitures de course. Mais c'était un véritable festin et ils n'ont servi que du champagne. Après la fête, je suis allée à l'hôtel de Paris avec Gabriel et Gilles et quelques-uns des invités où nous avons encore bu du champagne. Juste avant de partir, j'ai vu Elton John entrer. Enfin, je crois que c'était lui. Incroyable. Bien que j'ai bien aimé être entourée de toute cette richesse et cette opulence, je ne sais pas si je pourrais vivre comme ça tous les jours. Mais une chose est sûre, après avoir passé beaucoup de temps à chercher de belles maisons pour mes clients, je pense que je devrais en chercher une pour moi. Peut-être que je devrais souffler un peu plus aussi. Bref, j'ai envoyé les détails de la maison à mon client et il a décidé de venir voir cette maison et une autre que j'ai trouvée cette semaine à Villefranche. Je suis contente qu'il vienne les voir en personne parce que je trouve que ça devient de plus en plus difficile de trouver des maisons à son goût c'est quand même un client exigeant j'ai eu de la chance d'avoir passé un week-end intéressant parce qu'aujourd'hui en classe nous avons dû faire un exposé à propos du week-end j'ai tout raconté et je pense que quelques-uns des autres étudiants étaient un peu jaloux mais la jeune américaine, Katie, a aussi eu un week-end intéressant. Elle est allée au festival de Cannes avec la famille de son copain. Il ne reste que deux semaines de cours. J'ai bien aimé et je pense que j'ai beaucoup appris grâce à Sandrine. Un grand merci à Sandrine qui lit mon journal chaque semaine. À la semaine prochaine! So here Veronica begins by saying, "Oh la 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 la, Quel weekend! Oh my dear goodness me, what a weekend." Oh la 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 Quel weekend J'ai passé une superbe journée chez Gabrielle et Gilles, son mari.: So Veronica had a great time at the house of Gabrielle, her client, and Gilles, Gabrielle's husband. Veronica then goes on to talk about the people Gabrielle had invited to the party. Les gens qu'elle avait invités. Les gens qu'elle avait invités à la fête étaient intéressants. Et je suis revenue avec une grosse liste de contacts utiles. So these people were interesting. Les gens qu'elle avait invités à la fête étaient intéressants. And did you hear what else Veronica said about them? Et je suis revenu avec une grosse liste de contacts utiles. She came back with a big list of useful contacts. Je suis revenu avec une grosse liste de contacts utiles. In this next section, Veronica says that it was a shame that something was the case. C'était dommage. And dommage is a shame, so it was a shame. C'était dommage que nous n'ayons pas pu nous entendre très bien à cause du bruit des voitures de course. Have a listen again and try to spot a couple of words here. Bruit and voiture. C'était dommage que nous n'ayons pas pu nous entendre très bien à cause du bruit des voitures de course. So, bruit means noise. Le bruit, the noise. And les voitures are, of course, the cars. Remember, of course, that this party is happening above the harbour in Monaco while the Grand Prix is taking place. So, it was a shame that they weren't able to hear each other very well because of the noise of the racing cars. Les voitures de course. Veronica goes on to say that it was a real feast. C'était un véritable festin. Mais c'était un véritable festin. Et ils n'ont servi que du champagne. And did you hear what she was drinking? Du champagne. Champagne. Après la fête, je suis allée à l'hôtel de Paris avec Gabriel et Gilles et quelques-uns des invités. Où nous avons encore bu du champagne. So after the party, she went along with Gilles and Gabriel to the Hôtel de Paris, which is a very famous hotel just opposite the casino in Monte Carlo. Now it seems that Veronica was doing a little bit of celebrity spotting that night. Just avant de partir, j'ai vu Elton John entrer. Enfin, je crois que c'était lui. Incroyable. So she thinks that she saw Elton John go into the Hotel de Paris. And that is quite possible because it is the kind of place where you can see celebrities. I think I've mentioned before that I used to live in that part of the world, and while I wasn't a regular guest at the Hotel de Paris, I did see Kylie Minogue there once, along with a few other famous faces. Okay, so let's move on to the next section. Have a listen to this next sentence and see if you can work out what Veronica means. Bien que j'ai bien aimé être entouré de toute cette richesse et cette opulence, je ne sais pas si je pourrais vivre comme ça tous les jours. So although she has liked being surrounded, être entouré, by all this richness and opulence, de toute cette richesse et cette opulence. she says that she doesn't know if she could live like that every day. je ne sais pas si je pourrais vivre comme ça tous les jours mais une chose est sûre. but one thing is sure one thing's for sure let's find out what that one thing is. après avoir passé beaucoup de temps à chercher de belles maisons pour mes clients je pense que je devrais en chercher une pour moi. So Veronica is getting a little taste for the kind of life that her clients live. She thinks that she should really try to find one of these nice houses for herself. Okay, Veronica sent the details of the house to her client and he has made a decision. Bref, j'ai envoyé les détails de la maison à mon client et il a décidé de venir voir cette maison et une autre. que j'ai trouvé cette semaine à Villefranche. So her client has decided to come and see the houses for himself. Veronica is happy that he's coming to see them in person because she's finding it more and more difficult finding houses that please him, houses to his taste. Je suis contente qu'il vienne les voir en personne parce que je trouve que ça devient de plus en plus difficile de trouver des maisons à son goût. Veronica admits that he really is quite a demanding client. C'est quand même un client exigeant. Let's move on to this next paragraph. Veronica begins by saying she's lucky to have had an interesting weekend this week because something has happened in class. Have a listen to this sentence and see if you can work out what she says. J'ai eu de la chance d'avoir passé un week-end intéressant. Parce qu'aujourd'hui en classe, nous avons dû faire un exposé à propos du week-end. So in class they've had to do an exposé, a presentation about the weekend. Veronica has given the whole story of her weekend. To the rest of her class, and she thinks that some of the other students were a little jealous. J'ai tout raconté, et je pense que quelques-uns des autres étudiants étaient un peu jaloux. And as we already know, it's not only Veronica who has had an interesting weekend, we know that Katie has also had a very exciting weekend at the film festival in Cannes. Mais la jeune américaine katie a aussi eu un week-end intéressant elle est allée au festival de cannes avec la famille de son copain. in the final section veronica says that there are only two weeks of the course left il ne reste que deux semaines de cours j'ai bien aimé et je pense que j'ai beaucoup appris grâce à sandrine. Veronica says she's learnt a lot thanks to Sandrine. Grâce à Sandrine. Grâce à is thanks to someone. Now notice the difference between grâce à Sandrine and merci Sandrine. Merci is what you say to someone to thank them, whereas grâce à Sandrine means it's down to them. Thanks to Sandrine, I've been able to learn a lot. In fact, Veronica goes on to thank Sandrine, who has read her diary entries each week. Un grand merci à Sandrine, qui lit mon journal chaque semaine. OK, it's time now to listen again to the text. And hopefully, this time, you'll understand it that bit better, having gone through the language with us. Oh là 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 là! là. Quel weekend! J'ai passé. une superbe journée chez Gabriel et Gilles, son mari. Les gens qu'elle avait invités à la fête étaient intéressants et je suis revenue avec une grosse liste de contacts utiles. C'était dommage que nous n'ayons pas pu nous entendre très bien à cause du bruit des voitures de course. Mais c'était un véritable festin et ils n'ont servi que du champagne. Après la fête, je suis allée à l'hôtel de Paris avec Gabriel et Gilles et quelques-uns des invités, où nous avons encore bu du champagne. Juste avant de partir, j'ai vu Elton John entrer. Enfin, je crois que c'était lui. Incroyable. Bien que j'ai bien aimé être entourée de toute cette richesse et cette opulence, je ne sais pas si je pourrais vivre comme ça tous les jours. Mais une chose est sûre, après avoir passé beaucoup de temps à chercher de belles maisons pour mes clients, je pense que je devrais en chercher une pour moi. Peut-être que je devrais souffler un peu plus aussi. Bref, j'ai envoyé les détails de la maison à mon client et il a décidé de venir voir cette maison et une autre que j'ai trouvée cette semaine à Villefranche. Je suis contente qu'il vienne les voir en personne parce que je trouve que ça devient de plus en plus difficile de trouver des maisons à son goût. C'est quand même un client exigeant. J'ai eu de la chance d'avoir passé un week-end intéressant parce qu'aujourd'hui, en classe, nous avons dû faire un exposé à propos du week-end. J'ai tout raconté et je pense que quelques-uns des autres étudiants étaient un peu jaloux. Mais la jeune américaine, Katie, a aussi eu un week-end intéressant. Elle est allée au festival de Cannes avec la famille de son copain. Il ne reste que deux semaines de cours. J'ai bien aimé et je pense que j'ai beaucoup appris grâce à Sandrine. Un grand merci à Sandrine qui lit mon journal chaque semaine. À la semaine prochaine! So that's where we're going to leave it for this week. Now, as I said before, if you would like a full line by line analysis of this text, along with some additional information about the language used and some opportunities to practice what you've learned, then you can use the extended version of our episode. You can find this by going to coffeebreakfrench.com and purchasing our season pass for this season, and that will give you access to lessons 21 through to 40 of season 3. Now, we should point out that lessons 23 onwards will be published in the coming weeks and months, and at the moment we've only gone up to lesson 22. However, that season pass will give you access to those lessons as soon as they become available. In addition to the extended audio lessons, you also get access to our lesson notes, and for each lesson, there are around 8 to 10 pages of lesson notes which are available in a pdf format and also as an ebook and at the moment this ebook is formatted for ipod ipad and iphone there's more information about all of this on our website at coffeebreakfrench.com we'll leave it there for the moment once again thank you for listening and we hope you join us again soon for more coffee break french merci beaucoup et à la prochaine The podcast was brought to you by the Radiolingua Network. Find out more at www.radiolingua.com.